Hey, salut les louloutes, c'est Locan pour Locan.fr, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on s'en fout, c'est une vidéo comme ça à l'arrache. Le truc qui est sympa, c'est que je viens de trouver ce point de vue-là, totalement pourri, ridicule, etc. Normalement, je filme par là-bas, vers la cuisine, etc. Et puis je suis debout, machin, mais là, comme j'ai la cheville cassée, c'est un petit peu compliqué. Et je me disais que c'était bien, parce que là, du coup, ben, j'ai mon bureau, je peux poser mes petits trucs, mes petits tests, etc. Ça, c'est cool. Et j'ai trouvé un réglage à la con sur le R... On filme avec le RX100, là, l'alpha, il est ici. Et j'ai trouvé un réglage à la con super sympa parce qu'à chaque fois je me disais merde, mes vidéos elles manquent quand même un petit peu de saturation, etc. Elles sont pas aguichantes quoi. Quand on les regarde sur une télé, sur un écran d'ordi, bon ça va, mais sur une télé, etc., il n'y a pas le relief, le peps, etc. qu'il faudrait. Et en fait, c'est tout con sur les appareils photo Sony. Alors, si vous avez un RX100 ou un Alpha ou ce que vous voulez et que vous faites de la vidéo avec, même les Nex, ça marche aussi. Il y a tout simplement des modes DRO, etc. C'est dynamique, range, automatique ou je sais pas quoi. Donc, le haut, c'est pas automatique évidemment. Mais... Et du coup, ce truc là, ça permet d'avoir une dynamique automatique. Donc, ça va relever les zones qui sont un peu sombres, ça va les éclaircir, les zones qui sont un peu claires, ça va les obscurcir, etc. pour que ça ait un peu plus de peps. Et il y a le mode de Vivid, alors qui s'appelle, c'est dans les effets d'image. Alors j'ai appris que Vivid c'était une production de films porno aussi, mais je savais pas. Merci Christophe pour cette superbe information. Et donc vous avez le mode normal qui prend des photos ben, normales, hein, qui les sature pas, etc. Le mode Vivid qui va saturer un petit peu plus, apporter un petit peu plus de contraste, etc. Et donc du coup cette vidéo est tournée en Vivid, celle que je viens de monter et que je vais publier incessamment sous peu, pareil, est tournée en Vivid aussi. Et je trouve que le rendu est quand même un petit peu plus sympa. Et puis comme je m'emmerde, j'avais envie de vous tourner cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu ma vie, voilà, comme au bon vieux temps. Donc c'est tout, je fais pas plus long, je fous tout ça en ligne comme ça, sans montage, rien, c'était Locan, et bisous sur la fesse gauche, ciao!